conversation qui entourait et arrêté présidentiel 18 septembre dernier, côté président Jovenel Moïse, nommé 9 membres qui composaient conseil électoral provisoire. Et jeudi, la Cour cassation lui-même lui renvoyait prestation de serment 9 nouveaux membres KEPO à cause réserve sous arrêté présidentiel qui nommait KEPA pour organiser élections municipales, législatives et présidentielles et avant ça, l'Abguin pour organiser un référendum sur une nouvelle constitution. Et prestation de serment membre conseil électoral provisoire renvoyé, Fédération Barreau Haïtia lui-même lui adressé une note by juge Cour de cassation pour demander prendre distance par rapport à prestation de serment nouveau conseil électoral provisoire. Pendant ce temps, il y a une réaction qui continue à tomber, que c'est bon côté monde qui proche gouvernement, que c'est l'autre monde qui dans l'autre secteur. On suit un reportage de correspondant nous dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Dirigeants divers partis politiques réagissent différemment sur arrêté qui nommait 9 membres conseil électoral provisoire. Pour responsable consortium national parti politique, yon parti proche pouvoir, mis en place nouveau KEPSA, c'est yon pas dans bon direction. Jean-Tel Joseph reconnaît M. Damio nommé dans un contexte difficile. Cependant, c'est à qui yon même pour tabler les conditions nécessaires pour délivrer marchandises là. Conseil électoral, ça, c'est yon pas. Et un grand pas dans la bonne direction. Et je vais expliquer, et comme on connaît, ça fait longtemps, côté nous avons géré un vide institutionnel, nous avons un parlement qui est dysfonctionnel, nous avons un mandat collectivité qui arrive à terme, et nous avons un seul moyen pour renouveler le personnel politique là, suivant la constitution, c'est à travers les élections. Donc la présence de conseil électoral, ça, prouvez-nous vraiment que aujourd'hui nous sommes capables de penser et bientôt nous capables de démarrer pour ce processus électoral là. Organiser un référendum dans perspective une nouvelle constitution, docteur Chile Luido, yon nan porte-voix secteur démocratique et populaire dit pas comprendre qui Jean conseiller ça pour accomplir mission. Le on dit ou propos électoral en même moun sa yo ou ba yo attribution pour faire référendum pour constitution, ce qui non seulement est interdit par la loi, par la constitution, deuxièmement, il y a un bon monde qui pas même qu'à m'embêver ou mettre dans le conseil électoral ou bah au charge pour faire constitution. Écoutez, monsieur a bouillé pisse assassinat. Bon côté pal, fusion social-démocrate, dénoncé président Jovenel Moïse qui continuait passer en bas pied maman loi paysan. Président parti Edmond Supplice Bozil souligné action sa chef l'État posé en pralfouré paysan en plus crise. Vous pensez que son CEP tête en bas, qui mourit dans le passage, li fait sous violation constitution, li gen mandat pour la continuer violer constitution, qui li même dans l'article 284.3 li dit que toute consultation primaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Ça veut dire que Jovenel Moïse d'accord lui-même pour que les violer la constitution, les créer une institution qui vont continuer à violer l'institution. Il saisit ouais qui gens arrêter ça, arrêter illégal Jovenel Moïse là. Prouvez-nous que Jovenel Moïse est un bagage pour un dictateur. Pati Racine Kanpepla partager préoccupation ça. Aucune élection avec Jovenel Moïse au pouvoir pas possible. Car Michel Meuse profite et dénonce un plan bon côté exécutif là pour craser toute institution en dedans pays. Il est évident que je dis un pas gagner un climat politique qui permet que gagner des élections démocratiques, des élections honnêtes, des élections qui sont capables de renforcer l'institution pays. Et toute tentative pour organiser des élections, c'est crise qui l'a pas gravé, c'est conflit qui l'a pas gravé dans le pays. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Pour la voix de la mairie. Merci Yves Manuel. Donc, il y a un dossier qui était chaud dans l'actualité dans le pays d'Haïti que nous avons continué à suivre pour vous parce que c'est sûr que pour avoir l'autre réaction encore sous formation, installation et 9 nouveaux membres du conseil électoral provisoire. Pendant ce temps, le premier ministre haïtien Joseph Jout a signé un mémorandum d'accord, jeudi mardi 22 septembre 2020, avec les représentants Chambre commerce et industrie d'Haïti, avec l'association secteur privé sous mesure affichage en goud prix et bien service dans le pays. Premier ministre Joseph Jout. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente a demandé aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays
pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Ce, conformément au communiqué 04 du ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 31 août 2020. Deux, l'engagement du gouvernement de continuer dans la voie d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques en vue de limiter le financement monétaire du déficit budgétaire qui est l'une des sources de l'instabilité du taux de change. Trois, un consensus sur la spécificité de certains secteurs comme la réassurance et le tourisme nécessitant des considérations particulières en ce qui concerne la monnaie de règlement de certaines transactions. Quatre, la mise en œuvre d'un mécanisme de discussion inclusive au plus haut niveau pour réformer le secteur, du moins les secteurs vitaux de l'économie, afin de réduire le poids de la subvention de l'État dans ce secteur. Et cinq, l'instauration entre le gouvernement et les chambres de commerce et les associations signataires du présent accord d'un dispositif de dialogue permanent touchant les grandes mesures d'accompagnement à prendre concernant chaque secteur concerné. C'était le Premier ministre Joseph Jout Bokotepal, Bernard Crane, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Lui-même lui salue l'initiative là et il promet que il a fait tout ça capable pour respecter le mémorandum. Dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu pendant des années en Haïti une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui de toute façon devait être un jour corrigé. Depuis septembre 2018, un arrêté a fixé une décision du gouvernement d'alors de demander à tous les opérateurs économiques d'afficher en gourde. Une situation particulière dans le pays, l'instabilité que nous avons connue en 2018 et 2019, et suite à cette instabilité, la situation particulière sanitaire que nous avons connue en 2020 avec la COVID-19 a fait que cette mesure n'était pas encore appliquée par tous les opérateurs. Certains avaient déjà commencé à le faire, mais tout le monde ne le faisait pas. Le ministre du Commerce a pris un communiqué où il a donné 72 heures à tous les opérateurs pour appliquer la mesure d'affichage en gourde. Nous avons à ce moment-là commencé à discuter avec les autorités de l'État haïtien sur la façon de le faire sans provoquer des ruptures de stock, sans provoquer des problèmes pour les opérateurs et pour les consommateurs. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la signature de ce mémorandum. Comme je le disais tantôt, ce n'est que l'affichage en gourde qui nous concerne aujourd'hui. Cependant, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont prévues dans ce mémorandum qui devraient permettre, si tout le monde fait ce qu'il a à faire, de stabiliser le taux de change, parce que dans une situation d'instabilité où nous avons eu, durant l'année 2019-2020, une augmentation du taux qui a avoisiné les 40% et ensuite une correction qui avoisine les 60%, dans ces conditions d'instabilité, il est difficile pour les opérateurs de fonctionner et les consommateurs ne s'y retrouvent pas. Bernard Crane, c'est président Chambre commerce et industrie d'Haïti. Nous propose, on va nous parler de l'actualité électorale. Un juge, coup sur les États-Unis, Ruth Bader Ginsburg, trouvé dans le centre débat présidentiel américain pour connaître qui est un des candidats qui doit remplacer le pigo instant judiciaire américain. Dans le moment manqué moins que 2 mois pour l'élection présidentielle novembre 2020 déroulé. Dimanche passé, le candidat parti démocrate Joe Biden, qui a participé à un rassemblement populaire dans Pennsylvanie, mandé Sénat pour permettre vainqueur élection 3 novembre de désigner candidat pour remplacer dans la Cour suprême non défunt juge Ruth Bader Ginsburg qui mourut vendredi passé. The voters should make it clear on this issue. So many others. L'électeur doit faire remarquer que les questions ça, ensemble avec plusieurs autres, pouvoir payer dans le meilleur peuple américain
électeurs. Bon, au départ, le président Donald Trump, qui a parlé lundi 21 septembre, a renouvelé l'engagement pour désirer une femme dans la Cour suprême. Non. Une action qui est capable d'attirer les électeurs féminins dans la banlieue avec base conservatrice, sans oublier si la yo qui compte avortement. I'm just doing my constitutional obligation. I have an obligation to do this. Moi seulement pour rempli obligation constitutionnelle moi gain obligation pour me faire. Si président Trump réussit gain une majorité vote conservateur 6-3 dans Cour suprême non, administration lien a continuer exister que li remporter un autre mandat ou pas. They can be impacting the court and American politics and government for decades after a president has appointed them, has left the scene and maybe Baba Peri, député étudiant présidentiel, University of Virginia, Miller Center, déclaré présent sur capable d'avoir un impact sur le tribunal là. Politique américain avec gouvernement pendant plusieurs dizaines d'années après président qui dénomme Yoa, pas dans position encore. Démocrate, il y a une inquiétude d'un tribunal qui a une majorité conservatrice là-dedans, a voté pour voter jeter protection sur la santé, gouvernement fédéral là, rendre obligatoire pour patients qui sont déjà malades ou bien Capcouri Goris, droit pour mesdames à voter, et puis droit fille pour marier à fille, garçon pour marier à garçon, et puis mettez à côté tout, protection travail avec environnement. Président Trump lance appel au Sénat républicain contrôlé pour confirmer le candidat l'a désigné pour Cour suprême avant déroulement élection novembre. Non. Mais le sénateur est capable de faire tout avant le prochain président prêter serment si c'est le candidat parti démocrate Joe Biden qui a remporté l'élection. Il peut finir clair qui sa démocratie est capable de faire pour étaler le processus de vote là dans le Sénat. Mais jusqu'à présent, c'est seulement deux sénatrices républicaines, en parlant de sénatrice Alaska Lisa Murkowski, avec sénatrice maintenant Susan Collins, qui dit même dans une bataille serrée pour joindre un autre mandat, eh bien, ils ont deux à faire déclaration publique contre décision pour remplacer immédiatement le fin juge là, pour être élection en trois près. Assemblée générale Nations Unies pour année 2021, dans l'occasion premier jour défilé sous vidéo 193 membres organisation mondiale là, États-Unis avec la Chine marquent journée d'abord avec président Donald Trump qui lui-même dit yo pral remporter la victoire sous virus là pendant que lui-même li lagué en pile accusation sous pays la Chine. We have waged a fierce battle against the invisible enemy, the China virus. Which has claimed countless lives in 188 countries. In the United States, we launched the most aggressive mobilization since the Second World War. Sous dossier pandémie coronavirus là et sous question vaccin, président Trump dit n'a pral distribuer vaccin. Nous pral remporter la victoire sous virus là et nous pral mettre fin à la pandémie. Président Donald Trump critiquait la Chine dès que à travers pandémie coronavirus là, li touye 200 000 Américains et presque 1 million à travers le monde qui donc il a gué propagation pandémie coronavirus là sous dos la Chine parce que d'après ça le dit dans commencement la Chine où elle te virus là elle y autorisé avion voyager pour simayer virus là infecter le monde et organisation mondiale Nations Unies t'a demandé la Chine explication sous question. Président Trump continue pour le dire la Chine l'a gué millions et millions plastiques ak fatra nan lan men chaque année et ça la gagne yon paquet de dégâts à travers le monde. Quand c'est la histoire et l'histoire潮流. Face à l'économie mondiale, comme un tourniau, il y a un bateau mis dans le sable, ça donne ce que je ne vois pas. Président chinois Xi Jinping, bon côté parle précisé, il n'a pas de problème avec aucun pays. Il n'a pas mené aucune guerre froide ou guerre chaude avec personne. Li lance yon appel bay grand pays yo pour agir en tant que grand pays. Président chinois lance appel non pour yon conflit, mais pour yon coopération mondiale. Et li dit tout pays fait pour conformer yo ak normes internationales yo, même si yon a concurrence. Premier journée ça, à côté de kif kif ki te gagne en deux pigou économie mondiale yo, te gagne pour ouvrir séance là, président brésilien Jair Bolsonaro, qui était ouvri des filières devant les États-Unis, la Turquie, la Chine, sans oublier la France, avec président Emmanuel Macron qui lui-même était penché sous situation mondiale là et il fait référence tout à une urgence médicale mondiale, réchauffement climatique et violation droit monde. Président Emmanuel Macron. Face à l'urgence sanitaire, face aux défis climatiques, face au recul des droits, c'est ici et maintenant qu'il faut agir.
avec ceux qui veulent, avec ceux qui le peuvent, en exploitant tous les espaces possibles de coopération. C'est dans la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, écrivait Rostand. Je crois pour ma part à ce multilatéralisme des actes plus que des mots. C'est pourquoi je vous donne rendez-vous dans les mois qui viennent au Forum de Paris, au Congrès mondial de la nature, au Forum Génération Égalité et partout où nous pourrons faire œuvre utile pour mettre ce multilatéralisme en pratique. C'était le président français Emmanuel Macron, président haïtien Jovenel Moïse.